Aujourd'hui, on a un nouveau jour. Alors, aujourd'hui, on est... A priori, on est jeudi. Il fait merveilleusement beau, donc je vais travailler dehors. Et je vais aller travailler dans un bar. Donc ça, c'est trop bien. Et ensuite, voilà. Je sais pas de quoi la journée sera faite. En tout cas, là, elle est faite de travail. Je te fais des bisous, à tout à l'heure. Et coucou! Purée, il est tellement tard. J'ai passé... Attends. J'ai passé toute la journée dans un bar à travailler, mec. J'ai répondu à tous les messages que tu m'avais laissés, toi, sur Facebook. Et j'en avais à peu près 400. C'est fini. J'avais des centaines de notifications et 400 messages. J'ai tout fait aujourd'hui. Donc je suis tellement contente. Maintenant, faut que j'attaque YouTube. Faut que j'attaque Instagram. Oh, faut que j'attaque la page Facebook. Oh, faut que j'attaque les 300 mails. Oh, oh c'est chaud. Bon, bah du coup il est tard. Et il est au moins 21h je crois. Et en fait on va essayer, toi et moi, de fabriquer un plat avec des poivrons. Sache que je déteste du plus profond de mon cœur de l'éternité les poivrons. Et Farid il aime, du coup j'en ai acheté mais j'ai du mal à les fabriquer. Donc on va essayer de trouver une recette. Ça me dégoûte d'avance. Rien que l'odeur des poivrons me dégoûte. Mais bon. Je vais te faire écouter une chanson que j'adore. C'est une chanson sur Marseille. Elle est tellement marrante. Et je la connais. Elle me rappelle plein de souvenirs d'adolescence. Ah, tu le sais, cousin. À Marseille comme partout en France, dans tous les villages et dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Où les gars, Babylone tremble, Babylone est malade, devant le même jusqu'aux égalades. Babylone tremble, Babylone est malade, devant le même jusqu'aux égalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. Vous les supporters, c'est fait comme un seul. Alléluia, on est tous avec toi, Alléluia, les Marseillais seront toujours là. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, Marseillais a des problèmes, ensemble on a les solutions. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, si l'on aime notre ville ensemble, disons nos mots. Ça c'est de la bonne musique. J'appelle ma première femme.
coup j'avais que au concert mais je me suis fait pointer à l'entrée. C'est eux. Du Pacifique, l'année leur donna deux enfants, un curieux et un sympathique, qui écoutait passer le temps. Qu'à danser dans le monde des poissons, qu'à danser les femmes donnent des enfants, et qu'à danser et regarder passer le temps. Bahia finalement c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, d'un coup tu vois passer une fille, sous toi que c'est pas un garçon. Lui j'ai envie de l'éclater. 11h du soir, il est toujours pas à la maison. Il croit que je vais lui faire un beau famille. Il rêve lui. Lui il rêve. Tu vas te fâcher, tu vas voir. J'essaie d'être fâchée. Allô. Mais en fait tu fais quoi? C'est quand tu rentres à ta maison pour bouffer? Peut-être quand tu seras gentil avec moi. Non mais sérieusement, tu veux manger ou pas Farid? Ben oui, j'ai envie de manger. Mais tu fais quoi là en fait? Je travaille. Je te fais du riz avec des poivrons à la sauce tomate. Très fière de toi. Oh, si tu savais comme je déteste les poivrons. Mais je déteste ça, mais l'odeur du poivron me dégoûte. Ah, truc de fou! Truc de fou! Il y a une meuf que j'aime trop, elle s'appelle Inaïche. C'est une chanteuse délire bizarre. Franchement, délire trop bizarre. Elle fait une sorte de métal, mais cool, avec des paroles d'une intelligence incroyable, de ouf. Et on dirait de la musique classique métal, enfin, je sais pas, trop bizarre. Magnifique. Et en fait, j'étais hyper fan d'elle il y a 10 ans. Putain. Et elle avait pas sorti d'album depuis 10 000 ans. Et là, je découvre que la meuf, elle a sorti une chanson il y a une semaine et qu'il y a un album qui sort qui est sorti le 29/04. Oh, Inaïche quoi. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore cette meuf. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus son album dans ma playlist, un truc de fou. En plus, je l'avais acheté. Mais qu'est-ce que je l'aime la meuf. Elle est d'une intelligence, tu serais choquée. Mais en fait, elle avait plein de trucs là tout le temps. Et moi, je suis au courant de rien, c'est un truc de fou. La meuf elle cache. Tapis dans mon coin, je t'observe de loin. Chacun de tes gestes ressemble au mien. Quoi penses-tu, beau gosse, dans cette guerre atroce? Elle qui nous unit en habit kaki. De jeunes mariés, nous perçons son lit. Aimé par la vie, marié par la mort. En fait, elle parle d'un mec, c'est comme un mec, un militaire qui tue, qui s'exprime et qui est partagé entre son truc d'être un être humain et son truc d'être payé pour tuer. Et ce clip, enfin, ces chansons à cette meuf, je les écoutais en boucle il y a 8 ans, mais en boucle et en boucle et en boucle. Et c'était l'époque, enfin, c'est ma Madeleine de Proust là. Et en fait, c'était l'époque où j'avais ma première société. Et en fait j'étais dans l'impression textile, donc je passais mon temps à imprimer mes commandes. Enfin je faisais tout. Bah c'est un peu, j'étais psychopathe comme maintenant mais en version à l'ancienne. Et du coup j'avais ma machine pour floquer. Quand j'ai démarré j'avais des machines pour floquer et ensuite je sous-traitais. Et je passais des soirées, des journées, des heures et des heures à imprimer des vêtements. Genre des fois j'avais une commande de 500 t-shirts et je me tapais 500 t-shirts à imprimer moi-même, toute seule. Et en fait je me mettais ces chansons à elle en boucle. Et je l'adorais mais... Ah, ça me fait des frissons. Il faut que je retrouve son album. Et je vais me faire une playlist et ce soir je vais te faire écouter du Inaïche. Il faut que tu la découvres parce qu'elle est trop forte. Le mot c'est pas métal en fait, c'est rock. Végétarien. J'ai la moitié des ingrédients que j'ai pas à la maison. C'est pas grave. Par exemple, il faut 4 poivrons gelés, une aubergine, bon j'ai pas, des oignons, j'ai pas, des pignons de pin, j'ai pas, mais je vais mettre ça. Je sais plus ce que c'est, des graines, quelque chose. Donc, je sais même pas quoi c'est quoi des pignons de pin déjà, je me souviens plus. Après, des raisins secs, j'en ai pas, du riz, j'en ai, cannelle, curry, 4 épices, voilà,
faire un truc à la au curry, on s'en fout. Piment, j'ai pas, et ketchup, effectivement, j'ai pas. Attends, je pourrais faire par exemple du riz avec de la sauce tomate, sauf qu'il y aurait pas d'oignon, mais il y aurait un peu d'ail. Je rajoute dedans des graines. Peut-être ça se rajoute. Tu crois que ça se rajoute? Est-ce que Farid va se sentir arnaqué? Ouais, ça peut être une idée. Attends, je vais voir une autre recette. Mais en fait, ce qui est cool, c'est de mettre autre chose, tu vois. Mais j'ai pas d'autres légumes, j'ai que du poireau. Je pense pas qu'on puisse faire un truc au poireau, c'est bizarre. J'ai eu l'espoir fou qu'il y ait de la bouffe dans mon congèle, mais en fait, il y a que des déchets congelés dans mon congèle. Il y a que des épluchures. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Quand t'as pas de fruits et légumes, c'est la misère, la vie, oh. C'est quoi déjà ces graines-là? Tournesol de cortique. Graines de tournesol, et ben ça marche, non? Complément, ben voilà, complément des préparations. Et si je faisais du riz aux lentilles et que je mettais ça dedans? On va tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher. On va faire des lentilles corail. Ouais, mais attends. Du riz avec des lentilles corail? Dans des poivrons. Attends, je suis pas sûre de rappeler ma soeur. Non, on va regarder sur internet parce qu'il est tard. Riz, lentilles, corail, poivrons. Lentilles corail. Tomates et poivrons, ils disent que c'est trop bon. Alors la meuf elle fait comment? Je suis pas trop les recettes, tu sais que moi j'aime vingtaine, donc je l'ai vite fait pour oublier la moitié. C'est nourrissant apparemment. Alors, ouais. Ouais, mettez le riz à cuire dans le bouillon, bon ça ne fera pas. Mettez les lentilles à cuire dans une poêle avec de l'eau, nanana. Coupez votre oignon, bon ça j'ai pas. Mettez l'oignon et l'eau dans la poêle, j'en ai pas. Ajoutez le poivron et l'oignon aux lentilles. Pour que ça fasse une texture pâteuse. Eh, Farid il aime pas quand c'est pâteux. Ça va le saouler la pâteusité. Non, 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 non. Je connais mon mec, ça va me gaver. Mais si je les fais pas trop pâteuses, on teste. Écoute, de toute façon, il n'y a pas trop de choix dans cette maison. C'est la dèche, j'ai pas de légumes. Alors on va tester la recette de l'impossible. Donc, le principe de cette recette, c'est de mettre des lentilles avec du riz et des graines de je sais pas quoi à l'intérieur de ça et le mettre le tout au four. C'est parti. Sachant que j'ai pas d'oignon et ça, c'est vraiment la dèche. Pour commencer, je fais un petit peu revenir mes lentilles dans de l'huile d'olive. Un petit peu. Après, je vais rajouter de l'eau. Je sais plus pourquoi je fais ça, mais je crois que ça a un sens. Monsieur, je ne suis pas celle que tu crois. Monsieur, je vais faire bouffer du chat froid. Méfie-toi de moi, déteste-moi. Déteste-moi, teste-moi, teste. Alors les graines noires c'est celles que... C'est les lentilles qui ont un peu cramé mais c'est pas grave. Alors ça je crois que c'est du cumin, je suis pas convaincue, je suis pas sûre. Donc je vais en mettre et je vais mettre du curry, peut-être ce sera bon. Si je rajoute de la tomate, tu crois que c'est bon? Du blog, elle avait dit que c'était bon quand c'était pâteux, alors je fais un truc pâteux. Et pour tuer le temps, l'insouciante, elle s'amusait à déverser sa fiance. Les cases. Ouais.
Voilà, maintenant je vais les mettre au four. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais c'est expérimental. Voilà, il avait 4 là alors. C'est dégueulasse, Farid. S'il te plaît, dis la vérité. C'est pas, c'est bon. Non, non, mais t'as pas encore goûté. Tu me dis si c'est bon. Je sais pas si c'est bon. Eh ben, tu goûtes. C'est un peu dégueulasse. Ça a l'air d'être un peu fade. Ça a l'air d'être fade. Comment tu peux dire que c'est fade si t'as pas goûté? Non, ouais, c'est un peu fade. Tu me dis avec moi. Mais tu sais pas faire à manger. Non, mais sérieusement, c'est pas bon. Non, c'est dégueulasse. T'es sérieux? Ouais, vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est vrai. Je jure la vie de ta mère. Ouais, je mange parce que j'ai faim. Non, allez, sérieusement, franchement, je me suis vraiment cassé la tête. Ça va. Attends, je t'ai cuisiné le riz avec amour. Je t'ai fait de la sauce tomate. Je t'ai mis ouais, de la sauce, moi j'aime bien quand c'est bien juteux. Mais là, ça peut pas être juteux parce que c'est un fourrage. Il est bon le riz avec, comme je l'ai fait avec les graines et. Ça va, ouais. Mais c'est bon ou c'est pas bon? Ce serait meilleur s'il y avait de la viande. Non, on mange pas de viande, Farid. Dans cette maison, c'est fini la viande. Ouais. Accepte, je sais pas, fais le deuil. T'as voulu faire ton Mac. J'ai tout filmé quand t'as dit que c'était bon. Moi, je veux un démenti. Tu dois dire que mon manger, il est bon. Non, déjà. Tu dois dire la vérité. T'as tout mangé, donc c'est que c'était bon. Mais je sais que tu filmes. Oui, donc je veux un démenti. Je m'en fous, je veux un démenti. T'as tout mangé, t'as rien laissé. T'as même mangé les chapeaux, là, les chapiteaux des poivrons. Tu les as mangés, donc c'est que c'était bon. Crème de piaf, c'était extrêmement bon. C'était quoi? C'est trop bon. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais, réveille-toi. C'était bon pour de vrai ou pas? Ouais, c'est trop bon. T'es sérieux? Ouais. Pourquoi tu mens là? Pourquoi tu mens? Tu m'énerves. Dis quoi? Dis ce que tu penses, tu m'énerves, allez. Allez, c'était très très bon. C'est vrai? Ouais. Tu m'énerves, allez! Tu dis que c'était bon et avec une tête sincère, sinon je t'éclate, voilà. Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'en rende aussi. Elle est magnifique, celle-là. Magnifique. Que je rentrerai chez moi. C'est Barbara, bien sûr. Elle est revenue, la voilà. Que le diable l'emporte. Elle est revenue. Elle est là. Dans ta triste robe de moi. Mais elles sont pourrites, tes trucs que t'as achetés là. Elles se décomposent. Bon, toi, je t'ai ça là. Frio. Je t'aime.